c'est le Yoga 2 13 pouces du constructeur chinois Lenovo. Et contrairement à la première version de ce portable, celle-ci est plutôt une bonne surprise. Comme c'est finalement la même machine en mieux que la première version, on retrouve la même particularité, c'est-à-dire un écran tactile. J'ouvre, j'ai un PC portable, et si je lui fais faire un tour complet, j'ai une grosse tablette sous Windows 8.1. Petite précision, par rapport au Yoga 1, qui était un ultrabook, le Yoga 2 n'est plus qu'un ultra portable. Tout cela à cause d'une simple petite chose, la présence d'un disque dur et non plus d'un SSD, mais on y reviendra plus tard dans les points négatifs. Alors, premier point positif de ce Yoga 2 13 pouces, bah, il est plutôt bien fini, mieux fini même que la première version, qui était un peu trop plastique à notre goût. Celle-ci, bon, ça reste du plastique, mais le toucher est agréable, une matière un peu satinée, ça respire la qualité, les charnières sont toujours aussi solides quand on l'ouvre. C'est plutôt une machine assez sobre, mais agréable à regarder, on a un beau clavier rétroéclairé. Grosso modo, un sans faute du côté de l'esthétique. Alors, deuxième point fort de ce portable, bah, c'est son autonomie. Plutôt pas mal hein, pour un ultra portable, vaut mieux qu'il soit autonome, endurant. On est arrivé à 6h30 avec celui-ci. Il tient 6h30 en lecture vidéo sans s'arrêter, écran à fond, le Wi-Fi activé. C'est plutôt dans la moyenne haute de toutes les machines qu'on a eues jusqu'à présent. Alors, dernier point fort de ce Yoga 2 de Lenovo, c'est son écran. La première version était en définition HD+, c'est-à-dire du 1600 par 900 pixels. Sur le 2, on est passé en Full HD, 1920 par 1080. Il est toujours aussi réactif côté tactile, mais surtout, il a gagné en contraste. On a toutefois perdu un tout petit peu en luminosité, et ça, bon, ce serait presque dommage. Seul gros point négatif de ce Yoga 2 de Lenovo, son disque dur. Alors, d'un côté, c'est louable, Lenovo a voulu donner plus de capacité de stockage aux utilisateurs en plaçant un vrai disque dur de 500 Go dans la machine. Donc on pourra stocker de la photo, des documents, des vidéos, etc. en quantité. Plus que sur un SSD d'un ultrabook où généralement on n'a que 128 Go ou 256 Go d'espace dans le meilleur des cas. Simplement, le fait d'avoir utilisé un disque dur classique ralentit énormément les performances de la machine, elle est plus aussi réactive, plus aussi vivace que si elle avait été avec un SSD. Le Yoga 2 13 pouces est décliné en deux versions. La première, celle que nous avons testée avec un Intel Core i3, est vendue 800 €, et il est possible d'en trouver une autre avec un Core i5 et 8 Go de RAM qui est vendue aux alentours de 1000 €. Globalement, c'est une très bonne machine. Elle n'a eu que 4 étoiles sur le test de 01net parce qu'on estime que le manque de SSD lui fait vraiment défaut.